Philomène, elle, a le choix. Elle n'a pas de voiture et a complètement délaissé les transports en commun depuis plus d'un an. La Parisienne a opté pour le vélo, avant tout pour un gain de temps. Dans les transports en commun, on n'est pas du tout maître de son temps, alors qu'à vélo, je choisis mon itinéraire, je peux pas être bloquée. Aller vite et mieux respirer, au guidon de son vélo, cette jeune consultante en communication digitale a pris conscience de la nécessité de se déplacer autrement dans une ville polluée et saturée. Quand on voit, là je suis au croisement des boulevards en bas de chez moi, ils sont tout le temps super pleins, et qu'on s'imagine qu'en fait ce trajet-là, il pourrait le faire à vélo, la circulation serait beaucoup plus fluide. Mais circuler à vélo dans Paris ne se fait pas sans quelques frayeurs ou maux fleuris. Même si la cohabitation n'est pas toujours évidente avec les deux roues et les voitures, Philomène ne lâcherait pour rien au monde son guidon. Si chacun faisait du vélo, on gagnerait tellement en silence, en air pur et en bien-être que ça améliorerait la vie de tout le monde. Mettez-vous au vélo.